comment ça va la famille? Tranquille ou quoi? Un petit bonjour. Dans la difficulté déjà, il est 8h30 du matin. Je rejoins un copain, c'est grosse randonnée aujourd'hui, on va aller découvrir un petit peu tout ce monde-là. Je suis déjà un peu fatigué, j'ai marché 1,5 km. Hein. Toute honnêteté, toute transparence. Regardez la vidéo d'Inoxtag, ça m'a encore plus déter gros, parce qu'on va se fixer des objectifs de fou. Je vous en parlerai peut-être un petit peu plus tard, mais aujourd'hui déjà c'est randonnée. On va voir des trucs super beaux, parce que je suis dans un endroit quand même qui est relativement magnifique. Let's go. Bien sûr, j'ai mis une petite application de suivi là, pour les pas, les calories, les trucs. Déjà gros, je pèse 3,5 kg, j'espère que je vais pas perdre trop de calories non plus. C'est pas l'idée, là juste on s'échauffe, parce qu'on va finir par faire des trucs super durs entre aujourd'hui et juin prochain. En vrai, on est bien équipé de fou. Genre là, on a des Jordan cassés, un short de bain. Casse les couilles le vent, mais c'est carrément incroyable mec, on a vu une voiture qu'on connaissait même pas. 100% impossible, abonne-toi. Par contre c'était quoi la voiture? Weed? Wed? Way? Way? W-E-Y. C'est une voiture pour les gomuscu. Vous avez choisi le bon créateur et la bonne vidéo, parce que vas-y, Inoxtag avec l'Everest, vu et revu. Pourquoi mon lacet il arrive chez le voisin? Pourquoi tes lacets ils sont défaits? Ça c'est la concurrence mon pote. Jamais vu ça, c'est comme des chevals qui appellent des chevals. Bon canasson là, les juments là. Elle est pas mal la blanche là. Oh c'est raciste de fou d'avoir choisi le cheval blanc, c'est une dinguerie. Donc là c'est beau et tout, mais par contre tout se passe pas comme prévu parce que bah c'est barré. Au final, vu qu'on n'a pas de couilles du tout, on n'a pas du tout escaladé le grillage parce qu'on avait un petit peu peur pour notre vie, voilà, c'est très dangereux. Surtout voilà, s'il y a les plus jeunes qui me regardent et les plus âgés qui ont peut-être un peu de mal pour l'escalade aussi. Soyez prudents, même si j'ai fait de l'escalade à Aubervilliers, je ne reste qu'un homme. On va aller boire une pinte et après on y retourne. Et là tu fais une transition vraiment pinte en main sur la feuille. On fait une chicha ou quoi? Oh, viens, on essaie de dessiner une bite mec en marchant. C'est le 28 l'actualisation Pôle emploi. C'est la première fois que t'es au cheveu. La honte. Maintenant, nous allons pister les lièvres. Les lièvres? Pour ça, il faut regarder les mouettes. Et les mouettes? Ah, je suis comme vous, je suis comme vous. Putain, on a trouvé le chemin enfin. Oh, hop, vraiment là. Une quête secondaire. Quoi? La quête des courgettes de gitans. Branche ton téléphone. On a pris un chemin pour tous. Promenoir politique. Promenoir. Il cohabite en... Ouais, il cohabite en moi, c'est un peu... C'est bad quand on le voit, le passé présent, le futur et le Mossad et le gay. La bêtise, la raison et les oui, les non, l'amour de ma personne, le dégoût qu'elle me donne, les faces. Les peurs qu'on avale. C'est gay ça. Ah ouais. Le courage qu'on étale. Lutte, bête, tête, vertu, nu. Sévère, vulgaire, taiseux, peureux, veulent, seul, y'a plus de vanne. Mais après t'as pas lu les trucs en entier. C'est pour ça que je suis seul. La prude. Eh c'est pas toi ça. La prude et le vulgaire. La prude. C'est un peu nous. C'est pas la belle et la bête, c'est juste le pervers. Qui et est le... prude? Pas moi. C'est moi. T'as vu le banc là? Je sens pas les couilles. Inox! Inox! Inox, je suis là! J'ai craché, mec. Sur qui? Faitan? Quoi? Merde, t'as dit que c'était des démons? Mais c'est Cécile Coulon, mec. À ne pas confondre avec Cécile Coulon. Non, et Coulon, pas. T'es raciste? Oh, putain, encore. Oh, t'es raciste! Regardez-moi cette Instagrammeuse là, vraiment. On a un panneau bouché, tu vas voir. Oh non, non, j'espère que c'est pas bouché encore une fois. Mais en vrai, ici par contre, ouais, c'est vrai qu'il y aura des trucs vraiment archi beaux et c'est un peu casse-couille de marcher et tout. C'est peut-être un. Hop, là c'est beau, mais la qualité elle va être bizarre, tu vois, parce que c'est loin. Mais. En vrai. Ouais, mais tu te portes parce que là tu vois pas très bien, je pense. Arrête! Je déteste qu'on me porte, ça me fait peur. J'ai bien aimé quand t'avais ta tête là vers le... Bref, go, on y va. Attends, là frérot, je vais pouvoir commencer à être sur nos gardes. Ouais, parce qu'il y a des polonais partout. Non, il y a des vipères. Et je parle pas de nos ex. Source. Mon daron. J'aime bien là avec les fougères et tout, on se croit au carbonifère un peu. C'est sympa. Il hein. Y a de la meuf ici ou pas, tu penses? Une ou deux, je pense. Des juments avec leur bon gros. J'arrive! J'arrive! J'arrive!
Attends-moi, Malo. Malo. Moi, ça me casse les couilles, ce bitume, là. Vraiment, société de consommation. Non, mais no way, vraiment. Non, mais la droite au pouvoir, non. On dirait un gaucho, vraiment. Rue de la Soif, jeudi soir. J'ai à faire un abonné. Ouais, peut-être perdre des abonnés. Les gauchos, on est ensemble. Les droitards aussi. et les autres. Mais elle... C'est merde encore. Je vais être obligé de soit cut, soit mettre un bip encore. Ah oui, mais attends, tout à l'heure, je disais, ouais, parce qu'on va faire des gros trucs et tout, ces prochains temps, tout ça. Objectif, juin prochain, GR20, et on va le faire archi vite. Bah, entre autres, avec le frérot juste ici. On va le faire archi vite. On a pour projet de le faire vite, parce que le projet final, c'est de le faire. Oui, déjà, si on le fait, c'est bien. Déjà, si on arrive à y aller. Mais ouais. En fait, parce que niveau organisation, on n'est pas très bon. On va y aller en stop, ça va aller très vite. Mais on a GRM, vous avez son Insta juste là. C'est lui qui organise tout. Là. Et le Insta de Malo, là. Et ça me fait chier, c'est à moi de le faire, ça. Ouais, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a des monteurs, tout ça, là, qui cherchent du taf vite fait avec un chômeur vraiment à temps partiel? Vraiment très temps plein, tu peux. Ouais. Après, chômeur temps plein, frère. Chômeur temps plein, t'as failli mourir. Attends, le chemin il est dangereux de fou un peu. Mais en gros, ouais, GR20, normalement c'est 15 jours. Nous on veut le faire en 8-9. Donc l'objectif ça sera 8 quoi. Ça sera 8, quoi qu'il arrive, 8 jours. Mais en attendant, du coup, il va y avoir beaucoup de treks, de randonnées, d'escalade, de conneries, de survie, même de la pêche, des conneries, s'entraîner à faire plein de trucs et tout. Pour arriver là-bas dans les meilleures conditions possibles, voilà, récupérer du cardio, être capable de marcher et courir correctement aussi, parce que les trois gars, vous êtes sans savoir, bien sûr, mais je fais énormément de sport, donc ça ira, mais le cardio, c'est pas mon fort du tout, tu vois. Mais ouais, juin 2025, arrête avec ta CE, putain. Voilà, va falloir acheter tout l'équipement, le sac, la tente, le matelas, les clopes, les bières. Mais ce qui est pas mal, c'est que maintenant, j'ai des propositions pour des sponsors, pour des collabs. Du coup, on sera très certainement sponsorisé sur par, ça. Tout ce qui est entre l'EF, Heineken et Marlboro. Voilà, on sera sponsorisé vraiment par la Maximator. On pourrait comme à Mixem, on mettra des trucs Maximator partout. Il a été sponsorisé par Maximator. Ouais, Mixem, Maximator et Cronenbourg. Mais dis, on essaie de se sponsoriser par Goudal ou Uncles, mec. Ah ouais, ça c'est stylé. Comme Bretagne. Ouais, j'avoue, par un truc breton, ça peut être sympa. Comme ça, oh ouais, vraiment, mood Bretagne là-bas. Les Corses, ils aiment bien les Bretons, je crois. On a failli mourir encore. Par contre, ouais, c'est très joli. Ouais, et j'ai l'impression qu'on va au fond là-bas. Les filles, c'est plutôt offshore, du coup, ça me fait. There's no way, bro, I'm so hot. Non. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire un truc gênant en mode skétos. Les skétos, on est ensemble aussi, voilà, j'ai pas des. Et ceux qui marchent aussi, les vélos, tout ça. Les qui ont fait ramener du monde sur la chaîne. Ah, les ploucs et tout. Hein? J'ai même pas le permis. Bon là c'est un peu plus sportif, là ça monte. En vrai on se prépare pour le GR21. C'est où le GR21 tu penses? Où ça? En Suède. Oh ça va être vlabo mec. Oh ça va être incroyable. Ouh. Inox n'a jamais fait ça, hein, vraiment. Ouais, par contre, c'est incroyable. C'est vraiment magnifique. Hein. C'est incroyable, frère. C'est magnifique. Mais mec, attends. Vous montez là, frère. C'est encore plus haut. Les gars, on a croisé notre premier arborigène. C'est très sauvage ici. Très sauvage. On a un arborigène qui est juste là. Alors, faut faire attention parce qu'ils aiment bien manger des cailloux. Mais arborigène, c'est un arbre. Non, arborigène, c'est quelqu'un qui est endémique du... Tu me prends pour un con quoi. Je sais. Ah les gars, c'est dur de fou là vraiment. Mais on va avoir un truc incroyable. On va avoir un... Regardez ça. On va avoir un panorama de fou malade, frère. Un cap canavéral. Attention Inox. J'arrive. D'abord je m'actualise à Pôle emploi, mais j'arrive après Inox. Ah ouais, ah oui, non mais là c'est une montagne pour de vrai en fait. Je faisais des vannes et tout en mode on fait juste une promenade, mais pas du tout en fait. Oh putain. Oh, putain, c'est magnifique les gars. Ok. Là. Oh. Eh franchement ça pique. C'est un bon entraînement de fou là. Incroyable frère.
Qu'est-ce que ça me régale, putain. La nature comme ça, gros. C'est une dinguerie, frère. Je kiffe de fou. Ah, ça me rappelle le con de platiste, là, sur Légende, là. Pourquoi de Brest, on voit pas New York? Non, non, mais c'est le vent. C'est le vent, carrément, c'est le vent. Non, mais assis-toi et assis-toi. Putain, waouh, la vue. Incroyable, frère. C'est incroyable. Juste ça, pour moi, déjà, moi, je kiffe de fou. Je suis refait de fou. On a bien galéré à monter jusqu'ici, tu me diras déjà. Je sais pas jusqu'où on va exactement, parce qu'on n'est pas censé traîner de fou non plus. Parce qu'après, on a un repas super important avec mamie. Donc, on va bien manger. Elle fait quoi, mamie, à manger? De base, c'était du poisson, mais vu que tu détestes à peu près tout ce qui vient de ma mère, j'ai dit d'acheter des brochettes. Elle a changé le repas pour moi? C'est la mamie du... Non, elle est entre poisson et brochettes, et je dis que c'est peut-être une qualité. Brochettes, c'est incroyable, frère. Ouais. Ah, donc après, là, on mange des brochettes. Ouais. Ah ouais, c'est une dinguerie. Dinguerie de fou, frère. On va se régaler. Tarte aux pommes en dessert et du melon en entrée. Tarte aux pommes, melon. Melon en entrée et tarte aux pommes en dessert. Oh les gars, on va faire des randonnées plus souvent, c'est moi qui vous le dis. Le vent, par contre, il est violent de fou, vraiment. Oh, fils de pute. Il était 1 mètre. Ça... Ah, mais tu sais, je ne suis qu'un homme, malo. Ouais. Let's go, gros. Let's go. Je déteste ce mec. Il me casse les couilles. Let's go, frérot, je suis content de fou d'être avec toi aujourd'hui. Il me pète les couilles depuis tout à l'heure, il avance pas, c'est insupportable. Ouais, de fou, pète les couilles ce gars, la vie de ma mère, il me pète les couilles. Ça va, gros? Ça va, mon meilleur pote. Ça va, gros? Yes. T'es goûté. Bon, 10 km, here we go. On a bu un petit coup là, on a mangé un petit peu. Pas de pause pour autant, histoire d'avancer, être sûr. Ouais, il y a des éboulements, hein, faire attention. Incroyable. C'est magnifique. J'arrive, Malo. J'arrive, Malo. Je t'attends. Oh, plus la sueur, ça me dégoûte. Tu m'as fait un câlin? Oui. Il y a des années que ça sort. Comment ça, bref? T'as un truc à me dire? Je sais pas, entre hier, la story normalisait le fait de dater vos potes alors qu'on buvait vraiment un coca. Un coca magique, mais un coca quand même. Mais moi j'avais des intentions derrière. T'avais des intentions? D'accord. Elles étaient bonnes ou elles étaient un petit peu... C'est la révélation close, c'est la révélation clean. Je veux me mettre personne à dos, voilà, on est ensemble. Les gars, je vous avais dit, voilà, c'est pas des lol, y a vraiment un danger de fou. Vous abonner, mettre un pot de choplotch. Je le fais pour vous, les gars. C'est l'aventure d'une vie, cette randonnée. Oh, l'aventure d'une matinée, grand max. Oh, mais viens, on fait une miniature, mec. Tiens, attends, tu peux me filmer? Ah, mais... C'est bon. Hé, mon téléphone. Ah, mais attends, j'ai vraiment mon gros doigt dessus. Mec, c'est un TikToker, vraiment. Il y a vraiment la moitié de mon doigt sur l'écran. C'est génial. Ok. Ça met du cachet un petit peu. Les recherches cadreurs. Ok les gars, on va jouer aux billes. On prend tous les deux une pomme. Faut l'envoyer le plus loin possible. Ok. Ok. Oh merde, il y a un 1 je crois. Elle va où elle? Non. Pourquoi, mec, La première que j'ai lancée, elle est allée. Ok, attends. Ça me casse le cou, c'est un jeu de merde. Mais quelle idée de merde en vrai, putain. Ok, vas-y. Ok. Ok. 1, 2, 3. Allez, hop, ça m'a cassé les couilles. De toute façon, on est pressé en plus, on ne sait pas le moment. Oh, il y avait une mamie. Les gars, j'ai croisé un premier animal. On a un premier gros animal. C'est le sanglier du Corrigan. C'est rare, ça. Frère, il y a absolument zéro... Mais ouais, c'est des guêpes partout, gros. Putain! Putain, ça court, mec! Trace! Oh mec! Mais jure, la vie de ta mère, genre, c'est des guêpes! Il y a des frelons partout! Oh wesh! La vidéo, elle prend un autre tournant, là, vraiment! Il y a zéro van, vraiment! En plus, c'est. Mais putain! On a tous les deux peur en plus! Des trucs qui volent!
C'est quoi ce virage de merde là? Mais non, il y en a partout encore! Je vais essouffler de fou là! Oh putain, ça monte! Je vois bien là! Il y a des ruches partout! C'était bien comment marcher? C'est beau en plus pourtant. C'est quoi cette merde? C'est un truc qui te fait mal toi aussi là? Non, c'est un point de côté, ça s'appelle. Non, ça va. Putain les gars, dinguerie hein, vraiment. Par contre, je suis vraiment un vlogueur de extrême. J'ai sorti mon téléphone au courant. Ouais, en gros, on marchait tranquille. On discute. Et là, Malo, il voit v'là les guêpes autour de nous. On court. Du coup, les guêpes, elles nous ont couru après aussi. Après, il y avait des frelons. C'est une dinguerie. Je repasse pas là-bas, moi, je m'en bats les couilles. Là, en gros, où on est, il y a plein de... On le sait, il y a des frelons asiatiques et tout. Il y en a un petit peu partout maintenant en France. Mais des ruches... Après, ça fait bizarre. Ça fait bizarre même d'avoir des guêpes partout. Et... Oui, c'est une terrière aussi. Ouais, des espèces de trucs au sol. Plein de guêpes autour qui tournent. Sauf que t'es là, regarde les chemins. Tu vois, quand il y en a une, gros... T'as pas trop le choix quoi, t'es bien obligé de passer par là. Ouais, franchement, on s'est fait bader. Au moins, on s'est pas fait piquer déjà. Mais je pensais vraiment que ça allait être une vidéo promenade, on discute, on fait 2-3 vannes. Pas du tout, on a gravi une montagne, on se fait attaquer par des frelons asiatiques. Tout va bien, c'est quoi la prochaine étape? Tu penses c'est quoi la prochaine dinguerie qui va nous arriver? Un ours. Un ours. Il y a des ours ici ou pas? Non. Non, il n'y a pas d'ours. À la limite. Ah, il y a des loups par contre. Enfin, non, en fait, non. Oh, quoi, il doit y en avoir. Mais jamais de la vie, un loup il vient nous chercher, hein. Par contre, mais. Moi j'en sais rien, c'est des loups. Bah, c'est possible qu'il y ait des loups. En montagne, non? Je crois qu'il y en a un. Ah bon, il y en a un. Hein. Premier degré, je crois qu'il y a des loups. Mais après, en jamais vrai, de la vie. Des gros loups de 3 mètres. Comme... T'as vu le bruit qu'on fait, on court et tout, on crie. Oh, jamais de la vie, le loup il vient vers nous, hein, tu me diras. Mec, on est éteint. Autant on allait très bien. On avait passé les 10 km là, tranquillou. Bonne petite matinée. Là, on a fait un sprint de 20 mètres, gros. Non, en vrai, on a couru longtemps en plus. On a couru 1 minute 20. On a couru le tout machin pour monter. Oh, en plus, c'était une montée, putain. Eh, par contre, j'ai eu peur premier degré. T'as des machins comme ça, je suis sûr. Là. Ouais, regardez, en gros, c'est des trous comme as là. Il n'y a pas de guêpe du coup. Ils ont de merde. Là, il n'y a pas de guêpe, mais moi, je te propose qu'on y aille du coup. Ouais. Putain, saloperie. Bon, on est à un endroit archi beau. On est où là? Il y a des petits bancs, je sais pas. Putain, quelle horreur. Mais par contre, c'est vrai que c'est magnifique ici. Du coup, pour faire une petite pause, c'est quand même vachement sympa. Regarde, il se noie, je pense. Va les BGP. Il y a peut-être un gars qui se noie. Attends, la vidéo est encore plus épique que prévu, là. Monsieur, ça va? Ouais. Bah, je crois qu'il va bien. Bah, j'espère, hein, du coup. Parce que même s'il se noie, là, le temps qu'on descende, frérot... Puis c'est pas avec ma brasse, vraiment, que je vais l'aider. On est dans une montée, frérot. Wesh. Oh, c'est beau. Ça t'embouche un coin, Inox, là, hein? Alors, c'est marrant parce que notre seul équipement, là, c'est une bouteille d'eau. Oh, mec, c'est v'là beau. Oh. Incroyable. Ouais. Il y a un oiseau, il fait du surplace, regarde. Il est juste là. Par contre, la vue, gros, aberrant. Et lui, il a un manoir, gros. Tes mains? Franchement, gros, on n'a pas les mêmes problèmes dans la vie, je pense, avec lui. N'empêche, avec toutes les montées qu'on fait, l'air de rien, on marche bien. Les chemins, ils sont casse-couilles, tu vois, c'est que des cailloux, des trucs. Et la course, avec les guêpes et les frelons de mes morts, là. Frère, je suis éteint. Hein. On est à 12 km, là. En vrai, de vrai, ça commence déjà à piquer un petit peu. Va falloir qu'on en fasse plus, des randos, mec. Puis ce qui est bien, c'est qu'on a des chaussures faites pour... Là, il n'y a pas intérêt de tomber, frère. Bon, on est arrivé là où on voulait aller. Danger et route. Mais on va aller encore plus loin. Parce qu'on est des hommes d'action. Danger, ne pas approcher.
Inoxtag n'a jamais fait ça encore. Jamais. C'est sympa, c'est sympa. Non, c'est pas dur. Ah, dommage. Voilà, on cherche un PMU là. Bon, arrivé à bon port les gars. Je vais vous mettre les stats quelque part sur l'écran. Juste à gauche là de la... Ouais, juste ici là. de la journée, on a fait un peu plus de 15 km, 15,4 je crois. Franchement, on a bien marché, on a bien envoyé. J'espère que la vidéo vous a plu les gars. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. Prenez soin de vous la famille. Avec Mali, on vous dit à la prochaine. Il vous a pas dit au revoir. Au revoir. Il vous a dit au revoir. Prenez soin de vous, merci d'avoir regardé cette vidéo.